Salut à tous, donc là j'ai. Oui, je mange une pomme. Hein. J'ai reconfiguré les touches. Je me suis mis au clavier. Le problème c'est qu'on risque d'entendre un peu quand je frappe sur les touches. Quand même. Au moins je suis sûr de réussir les techniques comme ça. Vous voyez comment c'est un petit salopard. Là, combat contre Kafka. Une grosse merde. Il se prend un truc. Il s'enfuit. On va te gâcher un shuriken pour rien parce que j'avais oublié en fait. Enfin, je me rappelais que s'enfuyait mais je croyais pas que c'était au bout d'une seule attaque. Donc là je vais voir si mon blitz marche. Oh putain, j'arrive toujours pas. Il y a décidément un problème là. Ça marchait pourtant avant. Je comprends pas, avant j'arrivais, diagonale, ça marche plus. C'est bien ça. Ouais, ouais. Je comprends pas trop. Ouais, non, il veut pas. Je cherche à comprendre. Et moi, je me suis gouré de touche. En configurant. Peut-être ça. Non. Non, de toute façon, je suis sûr que c'est le bon truc. Je tente quand même. Ah, c'est bon! Oh putain! Ouais, j'ai mal configuré. Au de mettre diagonale en bas à gauche, j'ai mis en haut à droite. J'ai tout inversé. En vrai, ça marche parfait. Hein. Donc là, il déverse du poison dans la rivière. Alors qu'il y a même des prisonniers à vie, tout ça, mais il en a rien à foutre. Donc là, on retrouve Sian. Ah, du coup je peux remettre les touches d'avant hein, sur la manette. Donc, je ferai la prochaine vidéo. Donc tout le monde meurt là. Ils ont tous bu l'eau de la rivière. Donc là ils ont essayé de pas faire trop violent mais s'ils avaient voulu faire un jeu pour vraiment montrer que c'est un gros connard. Il aurait fait crever avec une cinématique, ça. Ça aurait pas trop été pour montrer à quel point Kafka c'est un enfoiré, mais. On voit, il y a un château, donc vous doutez qu'il y a le roi. Donc avec lui, je peux pas courir. Voilà le roi est mort. Comme
juste là avec la musique on a trop envie de défoncer Kafka mais. Donc ça c'est le thème de Cyan. Hein. Donc là, comme par hasard, Cyan a une femme et une fille. Hein. Ça c'est sa femme bien sûr. C'est non. Il y a une gueule de japonais, je sais pas quoi, d'asiatique. Non, c'est un fils, c'est pas une fille. Ouais. Ah, moi aussi, j'aurais fait pareil. Hein. Il arrive tout seul contre tous les soldats. Et au moment où Sabine et Shadow arrivent. Ouais, il nous rejette. Donc là, jeu d'enfant. Ouais, depuis que je peux le faire, là, je suis trop content. Voilà, il est sympa, il est brave et ça, le Cyan. Et là, il est Furex. En plus, ouais, lui, il peut contre-attaquer, maintenant j'ai mis la relique. Cyan, je le contrôle pas, par contre. Non, moi aussi, j'ai un peu de sa gueule en plus Kafka il est faible comme vous avez vu enfin pour l'instant il est faible allez je change de tactique franchement si le jeu avait été en 3D tout le monde dirait que ce sera le meilleur FF. Enfin, il y a déjà plein qui le disent, mais tous ceux qui connaissent que les FF en 3D, ils disent ouais, que c'est le 7, machin. Et c'est tout ce qui lui manquait, le 6, quoi. Parce que j'imagine cette scène en 3D, elle aurait été énorme, quoi. Enfin, il y a une version sur PSX refaite, mais elle est en 2D, mais il y a des cinématiques. Donc, du coup, on part d'ici. Voilà, hey, Shadow vient de se casser, là. Ah non, quoi que non. Non, il est... Ah, il cherche un autre truc, je crois. C'est con. Le gros boulet. Voilà. Shadow, j'ai eu de la chance parce qu'il aurait déjà pu déjà partir. Là du coup j'ai bien fait de pas me soigner parce que je peux le faire maintenant. Ah je vais faire rayon laser. Profiter pour se soigner un peu. Ouais, des fois il y en a ils font des attaques en crevé aussi. Ça peut arriver.
Donc là, quel que soit l'élément, de toute façon, on y est convaincu. Donc là, je sais pas par quel côté je peux partir. Ouais, c'est pas en haut. Ça m'arrange Shadow dans Magitech. Parce que normalement ça va pas du tout ensemble. C'est marrant. Narche, pardon. C'est de prendre rendez-vous. Le point de rendez-vous, parce que vous vous rappelez, il y a trois scénarios. Hein. Voilà, maintenant on peut passer à travers. La sauvegarde. Et franchement, je vous conseille vraiment d'y jouer à FF6 parce qu'on sent vraiment. Enfin, c'est indescriptible quoi. Comment on se sent quand on y joue, c'est énorme. La musique sont envoûtantes en plus. Enfin, la musique des combats, personnellement, j'aime pas. Donc oui, vous voyez Sian, il y a une espèce de barre. Voilà. Et il se barre maintenant. Mais des fois, il se barre plus tard, etc. C'est une question de chance. Hein. Oui, Sabine, Sian. Sian, oui, donc il a trois trucs dans sa barre, là, pour l'instant. Donc le premier, ça fait juste une attaque plus puissante que une attaque normale. Ça se contre-attaque si on se fait attaquer. Et ça, ça divise les points de vie de l'ennemi par deux. Après, il aura d'autres trucs. Le niveau, enfin, sauf le dernier, je sais pas si le niveau, c'est son une quête. Enfin, même, c'est une quête qu'on réussit à la fin, ça redonne, ça donne toutes les capacités de Sabine en fait. De Sian. De Sian, pardon. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une quête qui se passe dans le château de Sian, justement. Après, il y a des trucs qui permettent d'attaquer plusieurs personnes. Ouais, autant faire ça plutôt qu'une attaque normale, c'est plus puissant et ça prend pas plus de temps. Ouais. Voilà, et là on se retrouve devant un train. Là il était dans la forêt fantôme, je vous rappelle. Voir ce train, c'est assez mythique comme celui. Enfin, mystique plutôt. C'est une scène que j'adore ça. Enfin pas une scène, le passage dans le train je veux dire. Alors le train démarre. Dedans il y a toutes sortes de fantômes donc qui craignent assez ça.
Je l'avais dit qu'il craignait. Parce que c'est une espèce d'aura, donc ça fait un peu attaque type sacré, quoi. Ah, la musique du train fantôme elle est assez sympa aussi. Enfin, on n'aura pas trop le temps de l'entendre vu que il y a des ennemis. Oui du coup. Ah, il y a aussi un truc sympa aussi. Je peux vous montrer, c'est les objets. On prend une arme, on peut appuyer deux fois et là on peut voir ça. On peut voir tous les trucs qu'elles font. Vigueur, vitesse, santé, etc. Voilà, donc il y a pas mal d'attributs. Bon, attaque, après c'est les types élémentaires, etc. Ça, je crois pas que dans les autres FF il y ait une description aussi détaillée. Ah, c'est vrai que là ils veulent quitter le train, putain, je crois. Bon, bon, ils pourront pas, hein, vous avez compris. Quitter un train en marche, je sais pas trop. Pas sûr. En tant qu'attaque en traître, c'est pas trop dérangeant en fait. Merde, je me suis bourré. Ah non. Que les dégâts changent pas, c'est juste qu'une des attaques en premier. Parce que dans le 5 vous avez remarqué c'était vraiment la merde. Ah oui, c'est le train qui mène les morts au paradis ou en enfer. Ouais, c'est là qu'il y a la musique. Que vous verrez à la prochaine vidéo. Allez, salut!